oui, en vrai. Depuis le jour où on a évacué, ce qui est vraiment bon, c'est qu'il a qui va s'excuser. J'ai trop mal au cœur. Mon témoignage, ils ont signé, ils ont ça en passe. J'espère que oui, la situation va mal. Pourquoi qu'on se mettre en place dans la tant que moi si. N'a évité ni bali. Ils ont abusé le papier, le mouchoir, où il a utilisé, et puis à boire. Moi, je ne permettrai pas que Bobo a sa canne. Parce que dans ce genre, il y a ma fille, oh, il n'y a pas sa canne. Vraiment, on peut permettre bêtise dans nos autres voies. Franchement, quand il y a je suis vraiment désolée au début. Il y a quoi prendre que yo za moi si na et puis je débarque dans cette maison na maison na koya na kutiyo moi si na. Si je suis dans cet état parce que je ne peux pas accepter ce qui m'arrive. Na na zemi. Na beja na za na zemi. Mon bal azo so na ngate azo ki penga te on dit que tu mo za valeur te. Na na famille. Na za na famille oh famille mon ko za respectue. Famille mon ko oh, j'étais bien éduquée. Il y a quoi débarquer dans la vie, dans la salle, oh, il y a l'ingi, et puis tu as dit. Non, ça, je ne peux pas permettre. Franchement, je ne peux pas permettre. Mon bobo, filme dans la salle qui est l'hôpital. Et ça, mon qui. Oh, mais si quand on me met à y éviter, à sa tana, il était pour nous, bang, qui docteur, on a été, dans un bang, en tout cas, moi, on a quoi, on peut, à ça, on a monté, mais parce qu'il y a ça, c'est l'autre côté, on a eu, il s'est pas. Madame. Tu as assez parlé, j'ai écouté. Calme-toi, ok? J'ai juste une question à te poser. Ça fait combien de temps que nous vivons ensemble? Tobanda Kala. Boba Zunga, Nazak, Nébiki, comment expliquer? Il a abusé de moi. Bobo, il veut m'humilier. Ma famille n'a pas le baquet. Il a un enfant bâtard. Oh, papa est banité. Pour la Bobo. Il se prend pour qui? Je comprends ta colère, madame. Calme-toi. C'est que. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Tout le temps. Mais je ne savais pas que. Yo. Au vendre à Awa. Moni mi bali baza bandoki. Tellement qu'il y a yébi qui a omé manga Awa et s'arranger déjà. A bon, si biloko nyon surtout pour n'en remarquer non comment que moi ça vendre à une fois ou deux fois, on a remarqué qui quelque chose que non, moi ça vendre à Ndako. Et puis il m'a menti que a yéba qui m'a payé à baouté sopé poto. Et je comprends que on a terminé bien. Yangwana, ici. Et ça, explication est mon acquis au plus en là. Je ne voulais pas mener ma vie comme ça. Je ne voulais pas passer dans ma humiliation. La famille n'a pas comme au fin. La famille n'a pas comme au traité de ma vie. Ma vie n'a pas qui zengi. Le quoi, moi, la moi, mon cœur et puis papa, moi, n'a été. N'a pas de zobaté quand même. Mon corps, le quoi, n'a pas de zobaté quand même. Bobo, tu as couplé les quatre koyo. Tu as mis les mina qui tchouka koyo vandi. Et puis tu as su que ça la divan. Bobo, comment ça la pourquoi? Nasa nini? Est-ce que mi bali bele va sa la moni mi bali mi soute ka bobo la tinga makana ye? Bon, c'est bon, madame. J'ai tout compris. Regarde, tu as dit la bobo de l'autre. Ça fait vraiment des années. Et puis, vous avez la famille, en tout cas. Et alors, vous avez la famille. Et vous avez la famille.
Donc, tu sais pas, les jours, seulement quelques jours, seulement pour que tout accomplir ma projet dans la vie. Et du coup, me rendre heureux. Maintenant, moi aussi, j'ai un cœur en or en plus. Si quelqu'un a eu temps, l'aide m'a ramené dans l'épicerie. Non, il n'a pas si longtemps. Le cas où on a quitté la phase, on a mis un canapé, si vous aussi, on a quitté la phase, on a tiqué en même temps. Tu n'as pas besoin, maman. Et comme honneur, on a un bon na qui ne va pas. Il va les belles, mais c'est belle. On a la canne à ma canne. Le corps sont les ennemis, c'est collingué. Le corps on dit nous, mais maman, c'est collingué. Alors, on met maman à Bobo Libandati. Parce que vous avez un dame. Non, là qui sait. Parce qu'avec moi, on ne joue pas avec moi. Et je ne blague pas avec les hommes. Donc, là, qui ça y est, bobo. Donc, l'accès qui va s'accaler là-bas, c'est mieux sur tout. Si vous, la une autre question, que si on peut y aller vite fait. Pourquoi ça va être la journée? Pourquoi on a consulté aussi longtemps que tu sortais avec maman? Pourquoi tu as porté ton choix vers moi? Pourquoi? Il n'y a pas la réponse. J'ai plein de réponses. Attends la personne qu'on dit, ma vie. Parce que c'est que tu as poussé à me poser cette question. Parce que jusqu'à là, tu ne me crois pas. Parce que non, ça va gêner mon bail. J'ai pris bonne note. C'est ça pour le reste. Bonjour, il s'appelle comment? Ethan. Ayebi. C'est la fille de Cardozo. Le garçon. Le garçon de Cardozo. Oui. Alors, tout ce que je peux vous dire, Cardozo, sois la bienvenue. Merci. Considère cette maison comme étant la tienne.
ce qui problème les alli n'hésite pas à soumettre ça. Ethan, ici tu es chez toi, hein? Allez, amuse-toi, fais tout ce que tu veux, hein? Si tu as besoin de quelque chose, tu me passes. Tu appelles, c'est mon papy. Hein? Je vais jouer. Voilà. Papy, papy, une voiture. Papa. Attends, tu n'irais. Vini na pesa ko makamu. Hein? Na pesa ko de. Oh. Ti mgo mso ko kuya wa ku. Muta lobaka, muta se esprit maka pa muta comprendre. Et là on ne sait pas ce qui passé. Si que tu vas tina ya obaluki kuna, ozoni kotoyo obaluki kuna, ozoni ko sko fuma na ngona tuna na vini pour ma mwezane. Hein? Cardoza Zananda Kuti. A qui va? Cardoza Zui, Mwana. Azui Bilo Kunaï. Abimi Nandaku Akei. Bon? Et place Azali. Et Ibanite. D'abord, Miliban. Quand c'est une question posée, il y a une question que nous avons posée. Oh, comment me poser une mini-mini? Tu sais comme le niveau, on a la gare qui est au niveau de Malibal. Avec ce qu'on peut le roter. Mais attends, quand tu sais, 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 quand tu penses vraiment que ce qu'on a mis, c'est quand tu sais, 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 quand Je suis allé à la maison. Mais Cardoza est mon amour. Mais je suis bien très bien. Je suis bien voir même les canaux. Je suis bien bien. Cardoza comment la vie n'aie y a que ma cambounion sont échangés. J'ai essayé de faire de mon mieux. Le col à mon balignon soit en a besoin pour sauver mariage n'aie. J'ai parlé avec Cardoza. J'ai discuté avec Cardoza. Nansali n'a pas façon nionso. J'ai pensé peut-être que Cardoza a causé on a pour revenir la raison à pour comprendre et puis tout va redevenir comme avant. Non. Ah. Tombe échangé. L'autre est bien boy. Balouka zongi boy. Ti jusqu'à ce que Naouta Moussana y'a kouta Cardoza n'a pas zati. Moua kou Cardoza pe. Comme tu n'as pas niveau yo. Ou kagi pilo roke, ok, mais tu n'as moua na vraiment. C'est ça le problème. Sera kena gata yé moko. Ok, mais akei. Tu quoi quoi ça? Amemina, je ne sais pas. Oye ba tem nengeni. Yo zarana moua si nanda. Je ne sais pas. Oye ba ba kamarade ne ba ba naka wapi. Famille na yé Cardoza ba moussou ba zara gote nini. Bous koto ba nolukande nini. Si ko ada so ki azana ba kamarade na yé ba kamarade na yonso. Na yé ba nengi kaza pa kamarade to bozo ba za pa ndeko. Donc ba nda pa oyo. So ko azate toke pa oyo. Tro tambo la partou. Bous ko ya zana ba telefon ti yo sa ni. O koufa lo kwa ya kangi bilo rakei. C'est ça. Hein? O père de vie non lo kwa moua si no fin du monde. Bon, Yenga, oui, patron. Je te présente Cardoza. 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 Tito, patron. Je te présente toi aussi Cardoza. Cardoza. Désormais, elle va rester avec nous. Qui? Moi, c'est patron. Cardoza. Papa, elle restera ici avec cet enfant, Ethan. Ethan. Ethan, non. C'est ma femme? Elle restera ici, c'est ma femme. Dans cette maison. C'est ma femme, ok. Moi, ça. Ah, c'est ta femme à toi? Non, c'est ma femme, mais je demande pas. Non, il est mal dit, c'est sa femme. Elle. Cardoza,
Patron, chaque fois que vous avez un problème. Elle nan. Elle nan. Oh, mouninga na hé. Je ne connais pas. Mais tu où t'as qu'à quoi? Où? Où? What? Oh. Vous allez signer ou quoi? Chaque fois, si vous avez un problème, vous avez besoin de locaux. Appelle-le. Les deux sont là. Okay. Tito. Lui, c'est Tito. Lui, c'est Yéga. Bon, allez, ça va? Oui. Oui. Viens. Viens, je te l'enfant vois. Aussi restera moi, ici. Viens, je vais, qui non, non. Vous pouvez nous servir. Etan. Viens. Pas Tito. Oui. Apporte-moi, je dis. Pardon, maman. Si vous pouvez nous servir. Merci. Ok. Du jus, hein. À part ça. Thérésia. Le dossier que j'ai laissé l'autre jour. Tu sais. Sur la table comme ça, les gens ont connaissé. Non, je t'écoute. Dorinara, papa, je voulais d'abord présenter mes excuses. Parce que je sais que Osa, oncle Noko, l'Imaraba bêtise, et tu m'as soutenu dans mes études, mon éducation, tu en fais vraiment partie et tu es la base. Et moi, il s'est soupagné, moi, il m'a dit, moi, il s'est dit, le problème que... Alors, n'y va pas, hein? Vas-y, accouche, qu'est-ce que tu as? Oui. Je voulais dire, parfois la façon dont on se comporte à la maison, ce n'est pas la même façon qu'on se comporte en dehors de la maison. Tu vois, peut-être l'influence aussi fait partie. Tu vois, quand tu as des amis, au Salon Makambo, Madame Teto, si tu peux suivre. Béja, ma fille, tu vas où? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais depuis que tu as commencé, tu dis que dalle, tu dis rien. Tu as quel problème? Vas-y, dis-moi. Ok. Comportement, machin, moi, je t'ai donné une éducation. Une autre éducation différente de l'éducation de la rue. Alors quand tu me racontes ces choses-là, tu veux me dire quoi? Que tu as changé d'éducation? Non. Alors, vas-y. Seulement que je suis enceinte. Tu es en quoi? Caca, Béja, tu es en quoi pour la deuxième fois? Tu es un bébé dans mon... Une belle femme comme toi? Dans la rue? Ni fiancée? Mon Dieu, quelle perte. Ça, c'est un gâchis. J'ai tout perdu. Les études, l'éducation... Tous les conseils, tout perdu dans l'eau. Je te jure que je ne voulais pas tomber enceinte comme ça. Et quand tu ne voulais pas tomber enceinte là, qu'est-ce que tu faisais pour que ça n'arrive pas? Les erreurs existent. Non, j'ai posé une question. Quand tu ne voulais pas tomber enceinte là, quelles sont les précautions que tu prenais? C'est pour cela que j'ai dit les erreurs existent. Mais quelles sont les précautions que tu dois prendre pour ne pas tomber enceinte? Je faisais. Je prenais des précautions et puis voilà, une fois j'ai oublié. De prendre des précautions et de gâcher la réputation de toute la famille. Non, ne le prenez pas comme ça, papa. Que je le prenne comment? Tu veux que j'avale le fait que tu es enceinte d'un bâtard? Tu n'es pas mariée ni fiancée et moi, ton oncle, j'ai toutes ces énergies-là, c'est parti en l'air, j'ai tout perdu. Cet enfant n'est pas un bâtard. Ah bon? Oui. Parce qu'il est de qui? Vas-y. Il est d'un médecin. Ça suffit pas. Continue. Un homme célibataire. Il travaille à l'hôpital. C'est un infirmier, voilà. Mais je comprends pas. Il est médecin. Il travaille à l'hôpital, c'est un infirmier. C'est-à-dire quoi? Qu'il est responsable, voilà. Mais s'il est responsable, pourquoi il n'est pas venu me voir? Il est un peu timide, et voilà. Et c'est toi qui prends sa place pour me donner l'information? Parce que je suis ta fille. Maintenant, dis-moi, c'est une information négative ou positive, selon toi? Okay. Je dois l'admettre, je dois être heureux ou ça va me décevoir? Par exemple, quand tu venais en cours de route, tu te disais quoi? Que l'oncle va se sentir comment? Je sais, je te comprends, mais c'est déjà fait. Tu comprends quoi? Calme-toi quand même. Je sais, je te comprends que ça t'est fait mal. Oh, donc tu t'étais préparé, tu es très calme là.
je vais voir ce monsieur-là, si vraiment il est responsable. S'il n'est pas responsable, tu me connais. Je coupe le pont avec toi. Je ne veux pas avoir honte comme ça. Une jolie fille comme toi, intelligente comme toi, et puis après, je te perds comme ça. Je vais couper tous les ponts avec toi. N'ose même pas. Va parler avec ton je ne sais pas qui là. Dis-lui si jamais il essaie de m'échapper. Et toi et lui, vous allez vous retrouver dans la jungle. N'importe quoi. Faut pas faire ça. Et ne me fais pas ça. C'est du réfléchi, chérie. C'est du réfléchi. On peut réfléchir. Comment? Hein? Il va vous s'arrêter. Là, il va être le monde sans nous ça. Tu as cette personne au poids dans la console. Faut tout raconter à cette fille-là, Yaki Awa. Souka Yaki Awa, moi, je suis une. Est-ce que vous m'avez la coutine derrière Yaki Awa pour vous menacer? Non, c'est un peu normal, les consolations. Engagement, il y a ma ramenée au Yassan. À son charge, à son responsabilité. Tu sais, ok.
Quand il m'a coupé un temps, on fait les bandes de maintenant. Kitcho, tu as vu qu'il m'a fait de la salle, Kitcho. Ça, c'est la sorcellerie. Kitcho, yo. Kitcho, yo. On s'est dit qu'il y a Kitcho. Kitcho, raconte nos bêtises. Zéro, on a Kitcho. Ah, mais non. Asanaki. Oh, yo. Asanaki. Qu'est-ce que tu racontes là? Aux autres banini. Non, non, non. Aux autres photo. Aux autres photos, on est pour la camoufle. Aux autres photos, on est pour la camoufle. Ah, si, on va faire un combo. Belle vue. Belle vue. On s'est fait la carte à la main d'opération. On a dit, on s'est fait la carte à Kitcho. Dans la main, on a dit, on est pour. Oh! C'est un peu comme ça. Aza moisi, mais c'est quoi Aza moisi? Mais aux gens le bakerson. Tu vois Aza moisi c'est merson à danger. Mais tu bagères Zilanan. T'as un âge pas trop Aza n'ayango. Aza déjà na âge de la pierre taillée. À bientôt là. Mais nos causes. Non, comment t'es? Ah comment on dit? Aza la césarienne patron. Mais t'as un autre patron mon amour sur Aza. Aza moi qui? Moi na, on va couper nos coups joie. Oh, si on a pas tout besoin de cracker. Je vais vous dire que ah, on ne souhaite pas le mal à mal-être, on a ma belle à ma bête, donc... Là, il y a un peu de patron, non? Non, mirage, c'est mirage. Aza ça qu'on a mis le bâtiment, à ça qu'on a flou. Et ça, c'est... Ce sont des foufous de même climage. Ça, la loubi, na ça qu'on a au moins, il y a un peu de temps, on a eu un peu de couloir, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu la chambre à patron. La chambre à patron. Donc, voilà, chama patron. Usiko yibi sangai, na yibi etadam na banguti bangumbani. Usiko suki problème. Kana yela ki musala, na yima kabota la wana te. Oh, to agi osa musala, to agi olandela te, mais to abatu. Mais to landi la po, patron za yimoko. Oui. Yo na na bana te, obala te, obota te, ozape ka boy. Yope. Donc c'est na bité. Et puis, on profite de ce que nous avons fait pour que nous soyons là. Parce que nous avons fait un peu de temps. Ah, ya ya baba makababa français wana ya buzoba français va yikula ngonde ngwa kaka biso ne tuvandi bo biso tu bandine banda kalanga na sala peuple va 20 ans français na kuma kase tutu mwana wo ka mosi ne wana sokar de soka bengi kanga na likamba français na kuyango na kubude na kubude mais biso de message avec tout sa patron coco cha animal sauvage joana te pour ezala nanini papa ya ministère ya mon monsieur moi je vous reçois au assistant du tout monde là il va dire qu'il faut y aller mais moi dans mon angle en juste vraiment en juste d'habitude c'est pour mettre la téléphone à mettre avocat ou parce qu'on lui balance quelque chose comme ça. Là, moi, ça m'a laissé maintenant pour dire du courage. De toute façon, mon amour, pour mon état, venture, qu'on fait ce qu'on a pu le faire. Dès qu'on a moins sur les mains, mais je n'ai rien dit. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je suis venu parler à deux messieurs. Je ne suis pas venu pour là-bas. Moi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux amener parce que mon boyau, ça va. Quand il y a quelqu'un avec les gens, sinon je me tiens debout et je me casse. Si tu as été incapable de résoudre ce problème,
tu as jugé mieux Yaola Osolananga pour que nous connaissions une solution. Alors, laisse-moi parler avec toi. Arrête de crier, monsieur, d'abord, je te remercie pour la réception. C'est chez toi, tu pouvais aussi dire. Mais si j'arrive ici, jusqu'ici, là, c'est pas pour chercher ma palabra. C'est pour essayer l'équivalence moro quelconque. Déjà, arrête ça. Regarde, si tu continues, tu me connais, je me tiens les bouches. Je ne suis d'abord pas un déconnaï, je me présente, je suis son oncle. Alors, comme vous savez, juridiquement parlant, la première phrase qui sort de la bouche d'une femme pour dire que papa a moins d'ananaï, c'est celle-là qu'on considère. Après, lors de l'accouchement, l'affaire n'est pas claire. Lors de l'accouchement, on va demander un examen. On va demander au salatest et à Adel. Et ce qui moi nawana, ils ont s'avéré qu'ils ont moi la papa en a été et que moi c'est pour ça que c'est à l'homme de voir soit il va poursuivre moi pour la diffamation ou quoi, la vérité ou autre. Laisse-moi finir, pardon. Ça a été barrementé, du moins, ça a été. Et pour moi, c'est alors de poursuivre la fille. Ah oui, bon. Non, non, je ne dis pas. Ça revient de toi. Voilà, n'y aider. Oui, on a un rôle de voir le moment. S'il vous plaît, monsieur. Parlez avec moi. Écoute, la verbe, madame. Va t'écouter cher, hein. Je disais ceci. Ce qui s'avérait pour moi, dans un point. Et vous, papa, il s'avérait, mais vous s'avérait déjà qu'il disait à moi, déjà, dans ma réalité. Et ça, il y est. Bloquer ou bien pour ça la semaine parce que on n'est pas une famille qui a à la balle à poteau moi comme moi. Nous voulons seulement que tu prennes tes responsabilités. Et puis moi on n'a pas accouché dans de bonnes conditions. C'est après qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On te demande rien. Tout ce que nous voulons, qu'on y va ma responsabilité là. Sans brutalité, sans dispute, sans quoi que ce soit. Si j'ai pas fini, monsieur, s'il te plaît, tu m'arraches trop la parole cette fois, je te la donne pas. Si, en tant qu'humain, en tant qu'homme, vous vous rappelez avoir eu de relations avec cette fille et qu'elle déclare aujourd'hui qu'elle est enceinte de vous, je ne vois pas, par rapport à ta position, je ne vois pas ce qui va te déranger pour que tu... Ça va déranger parce que moi si j'ai d'autres causes... Je me rappelle bien, papa. Monsieur et Marie, moi, c'est dans la rade d'accord. Moi, c'est un moment au moment où nous parlons. Abimi Nanda pour Oyo, parce que Baloki m'a marqué pour Oyo. Moi, je m'en fous. De quoi je me mets? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, au moins, beaucoup de choses. Vous vous appelez comment? Je suis médecin, docteur Guéchou. Docteur Guéchou, oui. Sauf votre respect, au départ, quand vous avez jeté le regard sur cette fille, quand elle vous a dit, vous savez que nous sommes venus à la commune avant que le gouvernement n'ait venu. Là, tu viens de me rassurer. Que la femme est partie pour cette histoire. Mais parce qu'il est venu de semer du désordre ici. Papa, Nana, comment il y a Nana, semer du désordre. Ngaï, hôtel n'a bien. Zoua, on a fait du Yébin. Mais tu me connais pas. Tu me connais. Là, tu la poses dans le rejoint. Mais tu n'as pas de Nana, oui. Donc, bon, si donc c'est venu la femme a dit déjà qu'il a avoué la femme, tu sais, tout ça. Donc, comment vraiment? Au moins, le royaume s'est dit, une personne qui prépare son mariage, non, moi, si n'est pas dit, donc, moi, c'est au chat des autres, t'es dans l'hôpital, et moi, nous parlons. Après, il va prendre sérieux dans mon salaire. Le monsieur que vous voyez, monsieur Guéchou. Papa, tu n'as pas de problème. Parce que Nayaki, mon ami, sous le choc, sous l'émotion, il ne saura pas parler.
Mais j'ai une phrase très responsable. Oh, bah, pour les aïe responsable alors. Le moment où phrase responsable, on a maintenant, mais alors, on a juger. Quand lorsqu'un homme responsable, un adulte, comme le monsieur, un bel homme que je vois devant moi qui est là. Papa, écoute-moi finir. Pour les moralités, je vois l'homme pose responsable. Écoute-moi finir. Et puis laisse la faire. Quand un homme comme ça prépare son mariage, c'est-à-dire c'est déjà un responsable qui doit être capable de gérer sa queue. Sinon, ça n'arrivera pas. Si ça arrive, c'est qu'il n'a pas été capable de gérer sa queue. Alors toi, tu ne peux pas trouver de prétexte pour sous-entendre que, et ce sont des mensonges sans vérification, mais tu es médecin, aide-nous. Si tu as une autre solution qui peut prouver que bien, tout de suite là, que cette grossesse n'est pas... monsieur, alors tu es médecin, je me laisse à toi. Donne-nous une solution avant. Tu veux une solution? Bon. À avorter. Invite-toi à nous payer pour épiner ça. Au moins, c'est comme le papa. Bon, monsieur. Alors, on va faire avorter mais là. Mais je te fais arrêter tout de suite. Franchement, un médecin, tu es vraiment un médecin? Mais c'est une proposition. On doit t'arracher ton diplôme, toi. Une proposition. M'arracher mon diplôme, pourquoi? Parce que tu ne le mérites pas. Comment un médecin peut facilement dire comme ça, de proposer de faire avorter une femme alors que c'est une infraction, tu le sais? Papa, s'il vous plaît, moi, nous sommes à l'oubli. C'est un médecin, papa, pardon. Voilà. Ce qui attends, passé, attends, attends, ce n'est plus ton problème maintenant. Attends. Okay. Messieurs, avec tout le respect que je vous dois. Depuis que je suis là, je ne fais que vous, vous voyez. J'ai jamais négligé un homme, une personne dans la vie. Je ne te connais pas ce que tu fais, ce que tu es, pourquoi cette situation t'arrive. Parce que demain, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Mais du moins, je vais te mettre seulement au parfum pour que tu comprennes dans des genres de situations, qu'est-ce qui doit normalement se passer. Quand un ami, vous savez pourquoi ce Moutabeli Balobamba n'a pas soigné, il faut un autre médecin. Parce qu'il va exagérer. Alors, quand tu as évoqué, c'est pas qui s'est fait les endérobiques, ça y est, alors on trouve un autre médecin qui vient soigner sa femme. Mais ton ami, tout ce qu'il est en train de trouver comme prétexte, c'est pour t'aider à t'en sortir. Je comprends que tu es dans une situation vraiment néfaste. Mais là, moi, je te propose une solution simple. Dans tes responsabilités habituelles, tu as un enfant dans le ventre du mari. Prends les responsabilités qui ne te prendront que 9 mois. Après l'accouchement, lorsque ces messieurs ont ça la vie, on me mettra un test à Aden. Moi, je te donne ma parole. Si cet enfant n'est pas le tien, si tu veux la poursuivre, je ne veux pas la défendre. Parce que moi, la défendre la loi, la défendre Abou Soumati. Je suis sûr de ma fille quand elle est venue me dire. Mais si elle a osé un truc comme ça, que je ne crois même pas une seule minute, donc je ne la soutiendrai pas. C'est vrai, papa. Moi, je ne vais pas mentir. Ce n'est plus ton problème, laisse-moi résoudre ça. Je t'avais dit au départ, ce sont des messieurs. C'est comme ça qu'on parle, messieurs. S'il vous plaît. En tout cas, d'ailleurs, j'ai une proposition. Sincèrement, on m'a traversé notre propre de ma vie. Le roi est aux enfants, il y a mis des doigts. Je vais trouver une maison pour elle. À ta studio, en attendant. À Bota Kuna, à Sisamano Sukuna. Et après, on verra qu'est-ce qu'on peut. Donc, ça va. Ben, examen, nous allons reposer ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ça ma proposition. Parce que ici, on a évité mieux d'envoyer ça. Merci beaucoup pour la première partie, la première pensée responsable que tu peux. Mais je vais te dire une chose. Vous savez, la vie n'est pas seulement ce qu'on pense ou ce que l'on voit. La vie nous apporte beaucoup de choses subitement, autres et laïques. Voilà pourquoi il est demandé à une femme enceinte de rester toujours auprès de soi. Dans le sens même. Dans sens pourquoi là. Messieurs, je n'ai pas fini de parler. Je ne sais même pas, ici on n'est pas à l'hôpital, pourquoi tu t'en prends plus à moi? Pourquoi Bob lui-même quand il sort de France, mais là, de France responsable, mais toi tu veux toujours m'interrompre. Moi je ne suis pas venu pour me chamailler, monsieur. Non, oui. Je suis venu pour négocier. Tu vois bien qu'on est en train de négocier. Nous trouvons une solution dans la tranquillité. Donc voilà, la position elle est bonne. Donc avant je les studio, et puis elle va rester seule. Pendant longtemps il y a grossesse, tu as déjà vu ça quelque part. Mais tu veux que je dise de bêtises, qu'est-ce que tu appelles le mikakatan? C'est bien parce que tu parles de mikakatan. C'est ce que je crains, c'est chez les hommes.
quand au moment de l'acte, il n'y a pas de mikakata, il y a l'énergie pour pousser. Mais quand c'est la grossesse maintenant, ça devient mikakata. On est méchants les hommes, parce que je suis aussi un homme. On va se le dire. Au moment de l'acte, il n'y avait pas de mikakata. Là, l'homme, c'est l'homme qui est pressé avec plein d'énergie. Maintenant, quand c'est le moment de la grossesse, ça devient mikakata. Est-ce que tu as une sœur, toi? J'ai des sœurs. Tu as deux sœurs? Tu aimerais vraiment qu'une sœur à toi traverse le moment comme ça? Et puis tu défends mais ça, de tu la même dis, avorter, Zemia Mikakatano, ma chère, toi avec la gueule que tu es en train de mettre là, tu es sûr que tu vas supporter et ça? Et il faut se mettre aussi à la place de cette dame. Hein? Le problème, ce n'est pas la dame qui était ici. Le problème, c'est la queue du monsieur qui n'a pas su se maîtriser. Ou la dame qui n'a pas su maîtriser, la queue de son homme, qui a tourné jusqu'à retrouver ma fille. S'il vous plaît, donc, proposition à moi pour la ville des années. Je suis d'accord avec ta proposition, monsieur. Ok. Je suis d'accord avec ta proposition, mais elle ne peut pas vivre seule, ma grossesse. Ça, c'est indubitablement difficile. Non, si pour vivre, non. Non, aussi bonjour, moi, parlez-en, franchement. Parlez-en, quand vous avez négocié pour l'acte, tu étais absent. Négocier, comment est-ce que vous allez finir? Moi, l'essentiel, je sais qu'en sortant, j'ai laissé ma fille entre de bonnes mains un monsieur droit, compétent, capable de gérer ce qu'il a commencé d'aller jusqu'à la fin. Je ne veux pas négocier, non, c'est vraiment dans la chambre. Et, merci beaucoup. Ah, pour le nom de mon frère.